ndanyama hangana nubu tukiriku dusubiza amase nyuma twibuke nabimuhira urababyeyi bawe nibazaho wagiye bazi kutakiba waguhebye kera dusubiza amase nyuma twibuke nabimuhira Nyoko kerukiri mutoya yivune wabateye bagushakira ubuzima karori inshuti yahanye twibuke nabimuhira turababyeyi bawe nibazaho wagiye bazi kutakiba waguhebye kera dusubiza amase nyuma twibuke nabimuhira Tureke kuzerehera nk'abatagira iwabo Kibuka aho tuvuye utekereza amatahagi Agahinda wateye abawe bazi kutakibaho Agahinda wateye abawe bazi kutakibaho responsable de ce centre de démobilisation, c'est le tigre ce soir. Merci. Bienvenue. Bienvenue, chef de ministre. Deux mois ou trois mois, et selon ce quand ils viennent, ce sont les distances. Et nous avons presque 1000, plus de 10 000 qui sont passés.
Alors, je cherche partout avec toi. Ah, c'est pas vrai. Oui, bon. J'ai toujours voulu partir. C'est un ex-combattant qui est passé par le film pour revenir à l'Indéna. Non, pour essayer de comprendre. Je sais qu'on est. Oui, c'est bon. Il faut qu'il raconte son histoire. When he came in 2003, he went through sometimes there is also integration. Ici nous avons un peu de coup. La décentralisation, c'est le ministre pour service de la décentralisation. Donc ce qui fait que c'est de la première main qui reçoit toutes les informations. En 1993,
il y a eu des négociations entre les deux belligérants qui ont abouti à des accords d'Arusha signés le 4 août 1993. Et à ce moment-là, il y avait une certaine accalmie sur presque tous les fronts. Et au moment où on commençait la mise en application de ces accords, il y a eu la mort du président Abdelman le 6 avril 1914, qui a été suivi médiatement par le génocide, par le génocide des Tutsis, par des théories, par des actes ignobles dont je ne sais pas comment qualifier, des actes inhumains, des barbaries de tout genre. Au mois de juillet 1994, les SFA dont je faisais partie, en quartier de sous-lieutenant, ont perdu la guerre. Et la grande partie de ces forces SFA a pris la fuite vers l'est de l'ex-Zaïre. Et arrivé au Zaïre, il y a eu la formation des camps des réfugiés qui regroupaient des civils et des militaires. Et à partir de ces camps des réfugiés-là, ceux qui étaient militaires, nous nous sommes réorganisés pour tenter encore de réattaquer le pays. Et nous avons mené pas mal d'opérations type spécial. Terrorisme, terrain, des ambuscades. Mais ça va durer parce que il y a eu la destruction des serpents par la guerre qui opposait du temps-là le président Kabila, Désiré Kabila et Mobutu. Il y a eu la destruction des serpents. Et les gens se sont dispersés dans les différents pays, entre autres le Congo-Brazzaville, l'Angola, la République centrafricaine et d'autres pays. Mais une grande partie des réfugiés ont pu rentrer dans le pays, dans le pays. Et il y avait aussi un nombre non négligeable qui est resté à l'est du Zaïre. Plus particulièrement dans le territoire de Massissi. Moi, je faisais partie des militaires qui ont traversé les Zaïre pour me retrouver au Congo-Brazzaville. Arrivé au Congo-Brazzaville, après un certain temps, c'était en 1998, à Kinshasa, il y a eu la mésentente entre le président Kabila et ses collaborateurs, et cela a engendré encore une autre guerre. Les militaires ex-SFA et les jeunes qui étaient à l'âge de recrutement, qui étaient dans les pays que j'ai énumérés, les pays limitrophes du Congo, entre autres au Congo-Brazzaville et en Angola, ont été mobilisés pour répondre à l'invitation du président Kabila pour venir combattre de son côté. Là, il nous donnait la promesse comme quoi il allait aussi, après sa victoire, nous aider à retourner dans notre pays. Mais ça n'a pas été ainsi. Oui, nous avons participé dans des différentes batailles, des différents forums, des différents fronts, au Kassai, Katang, à l'Ewadé, partout au Congo. En 2001, oui, le gouvernement congolais nous a demandé de nous désengager du forum
de déposer des armes et de commencer d'entamer les voies, les contacts avec le gouvernement de Kigali et de tenter de rentrer dans le pays dans les voies pacifiques. C'est ce qu'on nous disait. Moi, je n'étais pas politicien pour suivre, mais j'ai pu assister à l'opération de désengagement, de déposer des armes et de cantonnement à la base militaire de Kamina et au Katanga. Cette opération de cantonnement n'a pas duré parce qu'après un certain temps, le gouvernement de Kinshasa a tenté de nous rapatrier par force. Et ça n'a pas réussi aussi, comme il le souhaitait, parce que sur des capitulés, sur des enfants, des femmes enceintes, des gens faibles ont été rapatriés. Nous autres qui étaient cantonnés en tant que militaires, nous avons tout fait pour sauter sur les magasins d'armes des Congolais. Nous les avons démolis. Nous nous sommes ravitaillés en munitions et en armes. Nous avons engagé le combat avec les militaires congolais pour rompre la rupture de contact, la rupture d'encerclement. Alors, à ce moment-là, nous